coca, dengan la pipa. Voilà. Et dans voilà. La salsa. Capisci, amigo? On va tenir la boîte à manger. Le dernier vis sur la sortie, c'est bon? Oui, il est là. Il y a des gants là dans les. Et lui, il faut le sortir aussi? Il y a des gants aussi. Il y a des gants? Ok. Regarde celui-là. Il faut le sortir. Ah, c'est. Non. On va essayer de le mettre comme ça. On te dit qu'on te vend la bière avec les pas aller vite, hein. C'est bien comprendre tout. On doit comprendre tout. Mais... C'est ça.
Solo, des clés comme ça. Pour débloquer un boulon, il faut pas. J'ai dit à ton collègue, mais sérieux, c'est vrai. Parce que. J'y crois pas que tu vas casser, je préviens, c'est tout. Le mec, toujours, ça leur fait mal au cul de dire ah ouais, c'est vrai, tellement fierté, les cons. Il va falloir que je pète la gueule un peu, qu'il m'écoute. C'est combien là ? Tu vois ? Ça, ça va ici. 8 Je rappelle les temps. Ouais, c'est chiant, hein. Oui, parce que... Là, c'est 8 À Berlin, on va... On va sauver. Oui, il fait ça, Plus bon que ça.
Le sens de la rotation alors. Doucement parce que c'est parce qu'il est dur et tout. Je vais voir sur le juste pour le voir, la gueule des trucs. Bon, pour le voir ici. Un comment? Ah oui, oui. Oui, c'est le volant, la biche pour invoquer le volant moteur. Oui, le volant moteur est à la même temps que ça. Donc il va dans le bloc ici. On va bloquer aussi là. Oui, ici, normalement ici. On m'a demandé à... parce qu'il y a une autre bonne à la pigeon derrière. Ah, c'est vrai? Ouais. Côté, mais on a là, c'est bon. Donc il faut enlever la cale, la pige, pardon. Ouais. Voilà. Faire tourner le moteur. Et cette partie là, vous voyez là, oui. Elle va correspondre à un trou. Mmh. Ok. Mmh. Ensuite, si jamais vous avez un doute pour le trouver, justement, vous pouvez enlever la partie du moteur, hein, et prenez cylindre. Vraiment, merci pas. Mais déjà, mettez-vous dans le trou là. Je fais tourner. Ah, il est là-bas. Je l'ai vu. Oula.
elle est dure comme ça. Excusez-moi. Pourquoi elle est dure comme ça? Ouais, elle est dure, hein. T'es sur une compression, là, vas-y. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tout à l'heure, elle lui tournait bien. Oui. Vous savez ce qu'on devrait faire? On va enlever déjà les injecteurs. Comme ça, on aura moins de compression. Ok? Déjà, enlever ça là. C'est juste les bris là. Hein. Vous les gardez bien? Le premier est là. 1, 2, 3, 4. Et là, on pourra normalement le tourner mieux. S'il ne tourne pas, c'est que le moteur est en train de. Sur les doigts. Moi, c'est la composition. Mais... C'est bizarre. Hein. Vous l'avez pas touché la distribution. Il va sûrement bloquer aussi, mais je sais jamais. Ouais, 12 minutes. Comment ça parle espagnol, pourquoi non? Oh le salaud. On est vide, on est vide. Ouais, mais c'est pas bon. C'est pas bien, oui. Ouais. On va voir quelque chose. Il y a une surprise parce que t'as tout ça cadre là, j'ai vu. Peut-être qu'il y a un truc qui est tombé dedans. Ouais, peut-être. Oui. Là. Là, on est déjà. Bon. C'est laquelle, c'est celui-là? Non, c'est ça. Bon, après, là... Ça veut dire que... Faut refaire un tour, d'une boîte. Ou alors, il y avait un truc... C'est décalé, là. Voilà, décalage. Des synchronisés. Voilà, c'est ça. Comme le moteur renforcé, peut-être, on va pouvoir... Voilà, sauter. Parce que là, j'ai vu, là, tout à l'heure, on a donné une... Ouais, voilà la soupape. Ouais, c'est ça qu'on a entendu. Essayez. Moi, je vous conseille d'enlever déjà ça. Il faut en chier pour tourner dans tous les cas. Je vais chercher ma mallette. Excuse-moi, Fred. D'accord. Il n'y a pas de sens dans ce couvre-là. Ah, tu veux de noter. Quand il n'y a pas de notation particulière, tu mets ça dans le sens de la lecture. Ouais, mais comme j'ai Nico, il vient de me dire Nico. Et si la courroie, par exemple, la recharge comme ça, je la mets comme ça. Alors, faut que je la mette comme ça. Oui, c'est ça, oui. Hein? Ouais, ouais. Mais si par exemple, je la mets comme ça, elle est là dans le sens de la lecture. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Ah, oui, mais regarde. Dis-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada.
ça. Ok. Mais tu dois... Bon, je reconnais. Ah, vous reconnaissez ? Non, personne ne touche ici. Il n'y a pas de... Il y a même pas. Ça, ça, ça le moment, on en est un... Ça fait
Tener problemas cuando desmontas todo el tiempo marca uno. Ça va, il va redemander.
le chauffage. Le thème, là, pour que ça prend chauffer. Entra au collecteur de la chambre. Non, directement dans la chambre. Ok. Essayez à la main, d'accord? Si toutefois il pète n'importe quoi à la main, prends la disqueuse et on balance un peu de disqueuse. Champion! Même à l'intérieur, ça prend. S'il faut la caler, il faut voir de la revue technique ou c'est la piche elle correspond. Tu comprends? Oui, oui. C'est-à-dire oui. Si la piche elle correspond, c'est qu'il faut mettre la piche. S'il ne correspond pas, c'est que. Non, comment. Ouais, je comprends. C'est la revista. Si. Technica. Parce que, par exemple, c'est une pompe de haute pression. Il y a la pompe d'immersion ancienne. Ouais. C'est plus mécanique. Oui. Oui. Tu vas montrer, il y a dedans. Une mécanique. Une pompe d'immersion ancienne. Ok. C'est la récente. Un petit bout d'un aimant. Sur leur bras quand même. C'est un petit carré comme ça, c'est un aimant. À chaque fois que les deux aimants se croisent, c'est une formation, une position, cylindre numéro 1. Ah oui, c'est lui. Alors soit il est sur leur bras quand même, mais il peut être aussi sur la dessus. Ça dépend. Là, il est. Comme ça, hein. Il est là. Donc lui, quand tu le mets, ouais. Donc là, c'est sur la poulie qu'il est. C'est le magnétique qui est là. Et là, c'est pas sur la bâton, mais c'est sur la poulie. Pour tester, après le multimètre, là, tu testes la résistance. Seulement la résistance. C'est pas grave. Mais en fait, c'est au taux d'atteint. Je te montre où il faut mettre les fils. Mais quand il y a un ohmmètre, ça risque de rien. Tu débranches, de toute façon. Tu vas voir. Vraiment, lui, des fois, il marche pas, quoi. Il marche pas toujours. Ah oui. Oh, c'est chiant. Là. Excusez-moi. Là.
0,37. Donc, tu prends la revue technique, Autodata, ils vont te donner la valeur en ohms mètre. Si c'est 0,50, là on a 0,37, on n'est pas bon. Plus d'AV. Voilà. Et c'est où la mesure, excusez-moi? Là. Tac. Je vois très bien. Attends, d'abord, je sais pas où ça. Voilà. 0,37,6. Après. Et celle de milieu, c'est quoi en fait? Ça, ça renvoie au calculateur. Kaïda France, nous allons vous attaquer. Faites gaffe à vos culs. Attention, ça va chauffer. David, t'es dans la caméra, t'es dans la caméra. Oh bon, où tu vas Marco, où tu vas? Et là tu sais, tu mets ça juste devant vous. Tu peux pas. Ah, parce que j'ai pas envie de le toucher, mais sinon je le colle dessus. Thank you.
Voilà.
Ouais, tu trouves une clé. Je crois que même. Attends. Voilà, c'est ça qui est attraction. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais encore? Je te montre le démarrage. Pourquoi? Pour regarder ce tonton, rotor, charbon. Pourquoi? Démarrer le tonton, le rotor et le charbon. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est le rotor. C'est ça? Rotor. Stator. Charbon, c'est ce qu'il y a là-dedans. Où est-ce le charbon? À l'intérieur. Non? C'est là-dedans. Non. Il le sait en plus. Quand tu dis charbon, c'est à quelle couleur tu imagines c'est le charbon? Noir. Il y a un noir pour. Tu vois quelqu'un noir pour lui? Où est-ce que tu trouves un noir? Non, là c'est pas du fait. Je sais ce que je regarde. Il est pas noir, le charbon. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Montre-moi le charbon. Moi je te dirais c'est ça de là-dedans. Non, c'est pas ça le charbon. C'est juste ça que ça enlève. C'est ça le. C'est le noyau. C'est un mot pareil qui en vient en train de faire. C'est ça. Ok. C'est un charbon. C'est ça. Non. C'est ça. Ça se branche là. Mais il y a deux. C'est ça le charbon. Arrête, c'est juste ça. Ouais. Moi je me cassais la tête, je me suis dit, oh, ça doit être de la poudre ou quoi. En plus, arrêtez, arrête de me filmer. Il me filme depuis. Non, c'est ça le but. Nous sommes ici pour apprendre. Oui, mais pas que t'envoies ta vidéo en Bolivie là-bas. Non, s'il te plaît. Non, je ne suis pas bolivien. Au Pérou. Oui, non. La langue de quechua là-bas. Oui, mais là-bas, on ne comprend rien. Parce qu'on parle quechua. Espagnol. Quechua, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas un grand problème. Donc ça va ensemble. Ça, c'est comme ça. Et lui, hop. Tu fais la clé pour démarrer. Lui, il a un bois. Il démarre. La démarre, on fait comme ça. On fait sur ce cap. Ah, c'est le. C'est ça le. Volant, volant. Quand tu fais. Ouais. Ça, le bot. Ça. Mais à le même temps, on ferme le truc. Ça fait de l'électricité. Ouais. Ok. Charbon. Fait de support de charbon. On porte le charbon. Tortor. Rotor. Ça c'est charbon, porte-charbon, stator et rotor. Okay. Ça c'est quoi tu nous as dit? Solénoïde. C'est quoi une sonde? Non. Solénoïde ça s'appelle? Ouais. Fonction c'est. Permet les circuits. Ouais, en fait ça permet. Faire pousser ça. Et en même temps, faire tourner c'est, ça. C'est pour ça qu'elle ressort. Ouais. Ça pousse ça en fait, ça pousse. Ça et ça pousse. Ça, tac.
Ça va comme ça, hop. Et quand tu mets la clé, tu démarres ça. Regarde, il y a ça. Ah ouais. Ça se remet là-dessus. Ça, c'est comme ça. Hop, on met la clé et... T'as pas le droit, tu devais apparaître. Il faut en faire tourner les repas. Oui. Parce que ça se devrait tourner. Ouais. Calé. Et la tension, il faut un peu moins. Il y a dans la boîte, hein, dans la boîte de communication. Ouais. Et nous installons la boîte. Hein, ah, juste pour mesurer, faire la tournée, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est possible parce qu'on va aller du moteur. Ouais, si on est si à démarrer, qu'on a les bons embouts, mais... pas de problème. Hein. Ah, parce qu'il ne démarrera pas, oui, oui, mais oui. Nous, on aura les compressions. Ah, oui. Oui. On peut, hein. Encore. Après. On va me serrer. On peut pas regarder ce qui se passe. Okay. Oui, tu peux. C'est démarrant, ce celui-là, il est desserti. On peut pas le remettre. De protection qui est une espèce de cire là. Ah, c'est une espèce de massif, quoi. Tu vas le démarrer. Nous sommes en train de chercher parce que nous avons laissé ici. Je pense que si on fait la prépa, on est bien. Quand nous allons démonter, c'est. Prochain, on va parler des compétitions. Monsieur, j'ai... Un barbare. Monsieur, pour la tester, la batterie, c'est où? Bolt, continue. T'as une passe? Ça marque tout? C'est là? Un marteau récent. Ouais. Attends, je suis pas loin, là. À de suite, Il est bon. Les mecs sont faibles. Hein? Ils ont mal passé le voyage. Regarde, moi, je suis plus grand. Ouais. Je me fais un peu d'électrochoc.
c'est Nicolas qui prend dans mon chien. En direct là. Moi je l'ai fait avec mes LED aussi. Non,
mets les injecteurs comme ça ou pas? Bon, c'est pas la peine. Oui, ça, quoi, cette pièce? Ça, c'est pour refroidir l'huile, le moteur. Ça refroidit ça, ça va. L'eau, elle passe en... Ouais, elle va passer là. Ben, regarde, je vais. Si tu veux venir voir, on prend des compressions, on essaye. Alors, ouais, mais le problème, c'est que voilà. Là, tu mets un plus. Les charbons qui sont sales, vous pouvez le démonter, on marque nettoyer. On va démonter, c'est les charbons. Ils doivent être collés, on va un peu les démonter. Passer du papier, nettoyer la piste. Un petit peu de poussière va marcher. Ok, t'as vu, c'est carrément bon ce système. Nicolas, t'as fini? Je suis en train de continuer là. T'es toujours sur le même. Ouais, je reviens, c'est juste de manger des outils. T'as gardé les petits ouais, par contre, genre. Ouais. Ouais. Ça, c'est des bons petits montages, tu vois, ça t'apprend. Ouais. Ça t'apprend. Et là, au démarrage, il faut y démonter le cul. On va nettoyer les charbons, la piste en cuivre, bien nettoyer. Normal, ça devrait le faire marcher. Le temps de prendre des compressions. On était déjà à 10 bars. Hein, sur le 10 bars. Déjà. Il faut combien? Là, il faudrait contrôler, mais il doit falloir dans les 20. Je sais pas comme ça. T'as pas la tablette? Oui, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas la compression. La compression. Quoi ça ça a été prévu pour pouvoir le monter. Mais ça ne monte pas avec les étapes de chambre. Mais ils ont bien moi d'avoir la curiosité de voir ce qu'il y a. C'est un peu l'étape. Là, tu as la plus grande, oui, c'est vraiment bien.
Dans la piétine, je me suis en par là, elle est où exactement? Dans la piétine, dans la piétine, dans la piétine, tu te l'envoies là, elle est filtrée, elle est produite, et on repart par là. En fait, avant, le filtre à huile, il avait comme des filtres à huile, maintenant, il a plus ça sur le filtre à huile. Pas le filtre à huile, mais... C'est très dur, ça. Que ça fait le café à la bouche. C'est le même principe pour le parmi. Parmi, tu refroidis aussi. C'est vrai, c'est pareil. C'est pareil. Là, tu as ton filtre à huile qui est. Il y a le tube qui sort. Là, c'est dans le même sens. Toi, tu vois, il y a le tube. Ça, c'est toi. En fait, ton huile, elle repasse par là. Elle remonte par là-dedans. Ça. Il arrive dessus. Comme ça. Donc, notre huile, elle arrive là-dedans. Voilà, par là, là, direction sur le huile. On passe là, là, tout ça, ça refroidit par là, il n'y a pas de là-dedans, bien sûr. Le liquide est même pas. Non, mais. Non, pas ça. C'est dur, elle est rangée. Quand tu sors, ça va voir, je suis intéressant. Ah, il y en a plus. C'est bien. La clé, c'est. Alors, il y a des pourris. C'est les Maroc ne démarre pas. C'est lui qui tourne pas. Oui, il tourne pas. Il avance mais il tourne pas. Ouais. Donc là ce qu'il faudrait faire. Avec le multimètre. Déjà. Alors, là derrière il y a un clips ou une vis. Il faut enlever ça. Et c'est un clips ou une vis, ça dépend. Comme ça on peut tout enlever. Et tu vois, on va nettoyer là. Là. Personne n'a un couteau là. Nettoyer. Oh merde, ah, c'est moi ça. Attention. Nettoyer là, donc j'ai dit. Bien la piste. Ouais. Et nettoyer les gorges là. Ah. Tu vois ouais. Voilà. Mais. Pour moi, le démarrage, il est bon. Hein. C'est le charbon qu'il faudrait un peu... Je vais aller chercher du papier. Il ne fallait même pas sortir celui-là. Non, c'est pas nécessaire de monter ça. Tu démontes seulement ça et plus ça. C'est pas nécessaire. On ne les prend pas juste par rapport à tout papier, alors qu'il y a des périodes d'essai exprès, tu vois. Et en fait, le mec, il veut un CAP parce que quand tu as un CAP, tu es... C'est c'est une assurance. S'il y a une couille, voilà, c'est une assurance. Ça, par contre, ça, j'étais au courant. Il n'y a pas prendre la plus sur le point de l'assurance. C'est juste histoire de se dégager. C'est assurance, mais après, des gens doués, il y en a. Des gens doués, il y en a. Oui, c'est pareil. Moi, je connais les... J'ai jamais fait l'école, les souleurs pareil, c'est des bêtes. Hein. Parce que pour un mécanique, il y a beaucoup de blabla au niveau théorie. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est que j'aime surtout les stagiaires.
Et c'est pour ça que les stagiaires ici, ma foi, ils sont pas mauvais, c'est parce qu'on est souvent à l'atelier. Ouais. C'est comme le même de date. C'est ça, de toute façon, il y a que sur le terrain que ça prend. C'est les mécanos chez qui les stagiaires ont fait des stages, qui disent on voit que vos mecs dans l'atelier. C'est ça. Ben, pour moi, mécano, en théorie, en théorie. Ok, il y a une théorie. On te met juste devant ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. On est ok. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors vas-y, mise à feu. Oui, connexion. Il y en a de 12.5, on n'a pas 12.8 maintenant. Ah, vous l'avez fait tourner déjà? Non, j'ai vu la bataille. Ah, ben oui, elle a chuté, comme il était un bon jeu. Vas-y. Ah merde. Je suis déçu. Il est blatte, hein. Il est mort. Putain, ça fout la haine. On ne peut pas essayer de trouver un démarrage. Mais le même chercher, oui. Là, il y en a plein de démarrages. Ça fout la haine parce que c'était bien, ça. Ouais, il tourne et tout. Alors, il est arrivé. C'est... Fais voir les mains. Regarde les mains. Mets tes mains là-devant. Tout propre. Casse couvert. Oh, on a ramené la coca. On a question. On a question. Ça la cabeza. Alors la moitié à la mojera la coca. Merci. Merci. C'est chaud. C'est ce que tu fais. Tu prends ton le téléphone, tu fais 118-218, tu appelles ABS, c'est ça s'appelle ABS, juste derrière à Saint-Jean-de-Védas, c'est à l'hôtel de Wigan Moco. Eux ils font que du pneu. Je leur demande. C'est pas des conneries, ils sont 118 Ouais, je pense que je vais en passer. Écoute, à mesure où il y a un vrai prix, je suis pas logique. Et tu mets le verre de l'autre côté de la chaîne. Tu la vois pas? Et si tu regardes à l'intérieur, il n'y a pas de structure. Tu pourrais être des 200 de l'intérieur. Non, pas vraiment, quoi. Tu vois, je regardais les crampons, s'ils n'avaient pas. Ils sont carrément pareils, tu vois, des deux côtés. Je vais bien tourner dans le sens horaire. Hein. Oui. T'as sur le doigt là. On va enlever les bons. Ah, ça va alléger, ouais. Mais bon. Ah, si, il y a une flèche. Ah. Ah, ouais, non, mais c'est la flèche de Dunlop, c'est leur cible. Ah, c'est le cible. Pas dur, franchement. Remarque, Dunlop, c'est leur cible. Ils ont une cible de flèche. Mets-le. Ben là, je suis sûr que la flèche est opposée. Là. Voilà, donc tu vois, c'est bel et bien. C'est leur 7 balles. Parce que j'ai l'impression que
Payot, tous les Peugeot, ils font. Tous les démarreurs. Parce que j'ai un camion, un Peugeot, un boxer, si je le demande, si je le demande. Tiens, moins de 10 modèles. Déjà, ne serait-ce que. Elle n'avait rien du tout. Les dents, tu vois. Sauf le nez cassé. Et c'est l'airbag. Peut-être les dents, c'est pas le bon nombre de dents. Il y a plein de. Ah ouais. Pour moi, ça me plaisait. Je suis flippé, quoi. Alors, comment on pourrait faire? Pas de démarrage. Changer de moteur. Et vous avez regardé derrière? Parce que je crois que derrière, j'ai un autre moteur comme ça. On va prendre la balle. Ouais. Ça
Par contre, je vais mettre un petit peu le piston du haut. Voilà. Je vais remettre le piston du haut. Pour pas qu'il sorte ou pas. Mais voilà, c'est bon. Bon. Comme ça, là, mais là, le disque envoie un peu de jeu. Voilà. C'est bon, normalement. Ça n'a pas de coup. Voilà, c'est ça que c'est bon. C'est cher. Non, le voilà. C'est un hôtel modèle. Ah, bien, là. Vous êtes bien, là. Non, là. Pour se rappeler la courroie. Ah, la position de la courroie. C'est le moment. La pourquoi il a froid? Question de place dans la voiture. C'est parce que ça, ils ne pouvaient pas le mettre devant, quoi. Et puis derrière. Là, le vélo, il est ici, c'est celui-là. Ah, parce que quand Honda, ils sont dans ce sens. La boîte est à droite. Quand tu ouvres le capot, moteur, d'accord, ouais. Le capot, tu vas l'ouvrir comme ça. Ouais. Une Honda. Ouais. Tu ouvres le capot, moteur. Ouais. Et là, je suis face à mon moteur, mais il est pareil. La boîte est à gauche. Ah, il n'est pas. Ok. Elle est pas, c'est le contraire des autres. Hein. C'est le contraire des autres bagnoles. Okay. Tu as la distribution. Elle est à droite. Okay. Et la boîte, elle est à gauche. En fait, là, tu le vois de derrière, le monteur. Là, c'est derrière. C'est parce que le mec, comme dans le sens. Là, tu conduis. Là. Non, c'est que ça tourne à. C'est déjà parce que. On a la merde. Pas de côté, au Japon, comme le droit. Ouais. Là, j'allais dire. Voilà, là, on est dans le. On est dans le bon sens. Quand tu vas ouvrir ton capot, de toute façon, là, le collecteur de. C'est quoi là? Le capot, c'est vraiment. Ça, il cherche du tout en face à toi. Ah, pas obligé. Là, j'ai la mission et l'échappement. Voilà. Oui. Ça, c'est bien. C'est bien. Ah ouais. C'est juste. Ça, je sais pas. Soit le 1 il est là, soit il est là. Là pour le savoir, voilà l'investigation. Regardez comment il tourne. C'est le numéro de D16Y8, c'est le numéro du type de moteur. Tu regarderais, ça doit correspondre à 115 chevaux. 115. Ouais, je ne pense pas que c'est un 160 ça. Mais je le regarderai. Là vous avez tout, là. Voilà le type de moteur. D16Y8. Voilà. Ouais, moi là, un petit peu. Ah, celle-là, c'est peut-être moins balancienne. Hein. Tu sais quoi, quand tu démonteras, hein, Mauricio, quand tu démonteras ça, tu me diras, parce que comme moi, il faut que je change la distribution sur le mien. J'ai le même moteur, moi. Et pas ça, je regarderai, qu'est-ce que ça m'intéresse. Tu sais, quand tu vas démonter ça, tu me diras. Ah, ça pourrait être grave quand même. C'est avec ça qu'on avait vu. Chez Renault. Ouais, je crois qu'on est. Chez Renault, tu vois, la couronne d'accessoire, elle pète, elle rentre. Mais là, tu peux pas rentrer, c'est pas possible. Là, les éléments, là, la couronne, elle peut pas rentrer, c'est pas possible. C'est bien fait. Après, stop. Ouais, non, c'est trop bien fait. Tu la vois même pas, la couronne. Mais par contre, ils ont montré, on a des caméras cachées. C'est des gamins hein, qui font les pièces, hein. C'est de l'esclavage. Hein. Ah oui. Hein. Au Vietnam, Thaïlande, je crois, il y a les usines où ils font les pièces. Tu voyais, c'était des gamins, ils avaient 10 ans. Ils prennent le limer, le persil. Il ne va plus aimer. Si, si, ça va. On s'en fout, mais on est mal. Tu es Honda. Voilà. Tu es obligé de fermer les yeux parce que. T'as vu le film hier, comment ça s'appelle, avec le mec qui trafique comme des armes. Comment s'appelle cet acteur? Nicolas Cage. Ah, qu'il est aux unis là. Wow, je l'avais déjà vu. Moi, je refaisais le moteur, je me rappelle, du déco. Il est arrivé, mais des fois, il s'est arrivé. Je refais. Ouais, après, il suffit de t'en passer pour bouger tes trucs. Là, tu vas fermer sa gueule.
Alors. On a trouvé aussi. Après, on sera la distrie. Voilà. On va se mettre là. Là. Ah, mais tu l'as là. La compression mètre, il est là. Faille neuve. Ok. On va tester la batterie pour voir comment elle est là. Si elle... Oui. J'arrive, je vais aux toilettes. Vas-y, vas-y. Ouais. Oh, c'est gentil. Vas-y. Je dis qu'il y a le multimètre. L'ultimètre, il est dans le placard, je crois. Ouais. C'est du bon ? Ça, il sera en portugais. Mais. Line. Y'a rien. Marche pas. Ah, mais c'est pas connecté. Il est pas branché. Tu la mets à combien? Mais pourquoi tu veux brancher? Non, mais ça... Tu mets un volt. Continue. Allez. Attention, Gilles, hein, on va faire parler l'Honda. C'est-à-dire, hein? On va le faire tourner, enfin. On voit, si le démarre, on veut bien tourner. Quoi. Là, c'est si juste le démarre. Il faut voir si toi, hein, pour vérifier la compression. Ouais. Parce que je veux voir ça, on est là. On le voit ça. C'est une compression mètre, ça? Ouais. C'est sûr. Pourquoi j'ai pas fait? C'est pas moi. Hein. C'est lui qui a dit OK? C'est moi. Ah. Bon, là, on est à 15 kg. Ouais. 15 bar. C'est bon. Il a toutes ses compressions, le bourre. C'est vrai. Le problème, elle n'a pas tracé. Ça peut être les bougies, ça peut être. Ah, mais je sais pourquoi. Ah, c'est des feuilles qui s'enclenchent. 12,59, il m'a bouffé direct 4. Ouais, fais gaffe qu'on l'habille pas. Hein. On va devoir te pousser après. Voilà. C'est dommage, merde, elle n'a pas marqué. Merde, je ne me rappelle plus comment. Voilà. C'est bon. Voilà. Pourquoi c'est bon? Ouais, normalement, il en faut faire. Donc cet appareil, il mesure la compression. Là, 15 bar. Le moteur, il est comme neuf. Théoriquement, un peu, il faut qu'il combien en principe? Bah, combien à combien? En essence, c'est entre 12 et 15. Et ça peut aller jusqu'à? Maximum 18. Allez. D'accord. Bah 18. Ah, mais oui, ah, oui, oui, ouais, ça y est marqué. Ça y est marqué. C'est bon, Gilles, tu pourras refaire ta voiture. Tu peux l'essayer encore? Bah, ouais, vas-y. Non, mais moi, la mienne. Par contre, on doit coincer l'excitation avec. Tu vois, là, j'ai pas appuyé. Mauricio, vas-y. Ah, oui, oui, ça, c'est touché. Ouais. Attends. Voilà, 15 euros. C'est petit l'essai de l'excitation? Petit excitation, oui. C'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. On va passer à l'autre cylindre et ainsi de suite. Là, pour faire l'autre cylindre, tu fais ça. Ah, voilà. Et ça oh merde! Voilà. Préférable, non? Oui, j'aurais dû le faire avant. Bon, c'est pas grave. Tu peux faire monter plus une fois, voilà, tant pis. Hein. Voilà, parce que là, il y en a, il y a de la place. Je pense qu'il peut s'adapter à 5, 6 cylindres. Oui, oui. 6 cylindres, tout ça, non? Ouais. Merde! Je vais le prendre un minimum, un maximum. Un minimum, toujours. Maxi, ça fuit les batteries. Je le mets là où il y a petit bonhomme, Manuel. Ah non, ça c'est le booster, ça. Ok. Tu vas faire fondre la batterie, mon monsieur. Là, vous pouvez le toucher,
Normalement, c'est bon. Voilà, là, on est bon. Si tu te mets là, t'es un booster. On est bon ? Oui. Pour le second. Allez. Batterie. Encore ? Oui, c'est 4 cylindres, hein, Maurice. C'est pas ton ramène. Heureusement, je suis pas un V8. Hein. Putain, ouais. Faut quand même finir à 5 heures. Il broche le booster ou quoi ? Parce qu'il en a 15. Non. Non. Et le nappe, oui, bah, il va. Ah non, non, mais 15, là, c'est la compression du moteur. Hein. Il va pas démarrer ? Non, ben non, il n'y a pas les bougies. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Souvent, on est bon ? Ouais. Il a un petit poilement de compression. Combien il est d'abord? Ah, celui-là, il est à 14. 14 bar. Il a un peu moins de compression, mais c'est normal. Hein. On est dans une tolérance, là, tout à fait c'est... nickel. 15, 14, on va tourner à ça, 14, 15. Donc. C'est bon? L'essence, l'essence entre 11 à 15. L'essence 18. 18. Ouais. C'est bon. Parce qu'il y a des moments où le premier et le troisième, ils sont montés plus vite que le deuxième. Ça, c'est normal. Ça. Mais là, on a vraiment le moteur. Pour démarrer. Ah oui, il peut démarrer sans problème. Il demande que ça. Quoi. Putain, c'est dommage que je n'ai pas une Honda Civic. Hein. Putain, non plus. Voilà, elle te ramène un moteur c'est derrière. C'est quoi, c'est D16Y8. Je vais voir. Moi aussi, là, j'ai pris le numéro. Ah, là, pour voir à quoi ça correspond, si c'est ouais. le 115, hein, ou, un 115 ou un 160. En tous les cas, là, le cylindre qu'on vient de faire, là, ouais. Pour l'instant, je dirais que c'est le mieux. Au niveau régularité, c'est bon. Ça va. Ah, il fait un trait et tout. Ouais, voilà. Comme ça, tu donnes aux clients. Et là, on a un moteur, franchement, il ne peut pas tenir. Il n'y aurait que le 2 où il serait... Il est un peu plus faible, mais il y a le fait que déjà, il est froid, il n'a pas dû, il a bien partout. Voilà ça. 14. Il y en a le 2, le cylindre 2 qui est à 14. 14 et demi. Et le dernier, il passe le 15. On part avec du retard, hein, on avait mal. Donc je pense qu'on arrive à ça. Mais la feuille, tu vois, t'es mal. Tu vois, on est parti de là. Oui, voilà. On doit être pas loin de 16 bars en fait. Voilà. Donc, grâce à ça, tu peux gagner de l'argent. Et combien ça coûte une sur la compression d'un engrenage? Je sais pas combien ils peuvent prendre. Normalement, le mec, d'après moi, il te dit voilà, le moteur, il y a un problème. On va prendre les compressions s'il faut, le moteur est mort. Donc si le moteur est mort que tu fais réparer, le mec il va pas te faire payer. Il te fera tout payer ensemble. Par contre, si jamais tu fais pas refaire le moteur chez lui, il peut te prendre 100 euros, 80 euros. Parce que tu vas compter une heure dans tous les cas. Une heure haute technologie. Ne cherche pas, hein, c'est pas moi qui l'ai décidé. Donc c'est 80 euros de l'heure. Voilà, 80 euros pour un problème de compression. Et là, tu as un bon rendu, le mec, tu peux pas l'arnaquer. Là, tu peux pas lui dire, ton moteur est fatigué, ton moteur est comme neuf. Il est comme neuf. Voilà. Et comment ça se fait qu'il ait la fille ? Accident. Voiture accidentée. Ah, la carrosserie. Voilà. L'autre, là, c'est pareil. Là. L'Audi, là, il est neuf, ce moteur. Il est neuf. Une image quoi. Celui-là il a peut-être là, 50 000 km quoi. Hein. Pas plus. Attends, là, ça c'est putain, c'est des bons moteurs ça. Moi je suis amoureux de ce moteur. Hein. Ça marche comme une moto ça. Mais t'as vu le son qu'il fait et à chaque fois qu'on. Ouais. Hervé, mais qui brille.